que le public réagisse et que l'énergie fasse des allers-retours entre le public et nous. Parce que nous, on essaye toujours d'être à 100%. Et si le public réagit pas, bon, on va essayer de rester à 100%. Par contre, s'il réagit, bah, on communique et on communie. Et donc, du coup, bah, c'est plus gai, tu vois. Il y a l'énergie qui tourne et c'est je crois que c'est ça qui est super, quoi. Ah ben je vais te dire, on a reçu une feuille de route, on a vu que c'était trop tôt. Avec les enfants qu'on a chacun, il a fallu qu'on parte un peu plus tard. On est parti à 4h pour arriver vers 7h30. Il y a eu des merdes à Paris comme toujours. On est arrivé à 8h. À 8h05, on a installé jusque 8h30, 35. Et puis on a commencé le concert à 9h. Qui était super, on s'est bien marré, boum boum, tchac tchac, on a vendu des disques et puis on était mangé. On a regardé à Itit Anita un petit peu, on est reparti vendre des disques et puis on est venu ici avec vous. Après, je crois que c'est hôtel. Ça fait classe, hein. Ah ouais, c'est l'hôtel. Se lever tôt et puis repartir. Mais sinon le concert était chouette quoi, je veux dire, on a eu pas super retour des gens qui sont venus nous remercier, donc voilà, on les remercie d'être venus aussi, tu vois, parce que sans eux on ne sait pas être là. Thank you.
Alors le contexte, c'est un contexte un peu singulier, un peu particulier, parce que à cet endroit, donc sur l'aérodrome de Guéret-Saint-Laurent, s'est déroulé en 2017 un festival qui s'est nommé El Clandestino, qui réunissait une affiche autour de Manu Chao, Morcheeba, Kenny Arcada. Et il se trouve que cette journée, qui avait remporté un franc succès public, on s'est soldé par un succès un peu plus mitigé quant à l'organisation et la gestion peut-être financière aussi de l'événement. Donc on a été sollicité à la suite par le président de l'agglomération de Guéret, pour ne pas le citer, Eric Correa, qui se trouvait être un élu régional à l'époque de la région Nouvelle-Aquitaine, pour réfléchir à la création d'un événement qui pourrait se tenir en lieu et place à Guéret, sur l'aérodrome de Saint-Laurent, au mois d'août ou au mois de juillet 2018. Il se trouve que moi j'ai des fonctions, donc je suis le directeur de la Sirène, la salle de musique actuelle à La Rochelle. Il est hors de question de m'aventurer seul sur un projet comme celui-ci, et puis avec des vieux copains avec qui on avait envie de rebosser, on s'est dit que ça valait le coup de consacrer quelques journées à écrire un projet. Donc avec l'ami Seb Chevrier, mais aussi avec Frédéric Jean, le directeur technique, et Cécile Mourlac à la communication, on a écrit un peu le festival de rêve qu'on aurait bien aimé organiser. On l'a chiffré et on l'a déposé auprès de l'agglomération du Grand Guéret, en se disant bah, c'était super, on a écrit le festival de rêve, mais compte tenu de la teneur du propos, parce que c'est vraiment un propos un peu singulier, compte tenu de l'ambition du projet, y compris dans son format économique, bah c'est sûr, ils vont pas nous dire oui, et on aura bossé, mais au moins on aura bien rigolé à l'écrire, on aura bu quelques bouteilles de vin au passage, mais en tous les cas, on aura bien ricané à l'idée d'imaginer un peu le festival de nos rêves. Et puis la bonne nouvelle, c'est que il nous a dit oui, le président de l'aglo, et puis la mauvaise, c'est qu'il a fallu se mettre à bosser très très rapidement. Donc ça, on l'a fait, mais on a surtout été très pédagogue, je crois, pour bien expliquer aussi aux forces vives qu'un festival, ça ne pouvait avoir de sens et d'esprit que si on avait un relais sur le terrain, des gens qui portent l'événement et qui s'en emparent, puisque nous, habitants à La Rochelle ou à Niort, n'ayant pas de lien ou d'attache particulière avec la cause, si ce n'est le fait d'être en région Nouvelle-Aquitaine, on n'était pas légitime aux yeux de la population locale, et puis pas légitime non plus pour défendre un projet arrivé comme une armée espagnole au milieu d'un aérodrome et puis construire un truc. Ça nous intéressait pas, donc on voulait vraiment créer un lien aussi fort avec les locaux pour que ceux-ci s'emparent du projet à nos côtés et puissent le porter à l'année. Donc a été créée l'association Terre du Milieu en 2018, et on a commencé à travailler ensemble en organisant une check-inside party, donc à la salle André Lejeune, en octobre 2018, si ma mémoire est juste. Ça nous a permis de nous connaître, de nous rencontrer, de travailler avec eux, d'écrire aussi les statuts de l'association Terre du Milieu, et puis de les accompagner sur un premier événement qui n'a pas été un grand succès public, en dépit d'une affiche assez attrayante à nos yeux. Mais ça nous a permis en tous les cas de partir sur des fondations un peu solides dans la collaboration entre nous avec l'association. Donc voilà, 2019 arrive très vite dans ces entrefaits et le festival naît les 22, 23, 24 août 2019. Yeah, how you all doing? We're called Toys, we're from Derry in Ireland. On Irlande. Irlande. On Irlande. This next song I'm going to say is called Chicken Fried Rice on the radio. Shut down.
Bah, c'est vrai que notre maître étalon en 2019 correspondait un petit peu au maître étalon qu'on a nous dans nos lieux, donc que ce soit à proximité de grosses villes ou de villes de moyenne importance mais qui ont des habitudes un peu culturelles. Donc on a été assez refroidi par l'affluence de 2019. C'est vrai que sur le plateau de la première soirée, on avait réuni des artistes comme Jeanne Haddad, Patti Smith, Julia Jacqueline, Le Prince Miaou. On aurait pu s'imaginer avoisiner les 7-8 000 spectateurs. On en a fait la moitié. Donc, il nous a fallu en 2022, 2021, 2020 ayant été bien évidemment annulé pour cause de pandémie, il nous a fallu repartir un peu à l'inverse, se dire ben voilà, on sait que sur le territoire de Guéret aujourd'hui, on a une capacité de 3500 à 4000 spectateurs, donc reformatons l'événement, réfléchissons-le d'une façon peut-être plus modeste, ou en tous les cas, en affirmant toujours un même propos, à savoir défendre les musiques indépendantes et les musiques qui ne sont pas forcément des musiques commerciales qu'on entend sur tous les médias. Mais reconstruisons quand même l'ossature complète de la manifestation pour faire en sorte que on ne soit pas déçu ad vitam aeternam par l'affluence de ce territoire, mais qu'on le construise dans le temps et avec la nécessité d'imaginer cette manifestation d'une façon pérenne et de gagner petit à petit le cœur des spectateurs et de les fidéliser. I don't love you right now.